Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les cartes de collection Marvel. Alors ce sont des cartes de collection que l'on peut se procurer chez Leclerc. Si vous faites vos courses chez Leclerc, vous pouvez récupérer des petits boosters. Il me semble que c'est de l'ordre d'un booster tous les 30 euros d'achat. Vous pouvez récupérer aussi ce petit livret qui coûte pour 2 euros. Et bien dans cette vidéo, les amis, je vais vous faire découvrir ce petit livret dans lequel on peut ranger ces cartes Marvel. Ça, c'était des cartes que j'ai déjà ouvertes dans une vidéo précédente. Donc on va s'amuser dans cette vidéo. Je vais m'amuser donc à vous faire découvrir ce livret, ranger les cartes que j'ai déjà pu avoir, et puis découvrir aussi tous ces boosters que j'ai pu récupérer. Comme vous pouvez le voir, il y en a un bon paquet. Il y a de quoi faire, les amis. Donc ça va être très 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 sympa. Est-ce que je vais récupérer les cartes les plus intéressantes? Eh ben, on va le savoir, parce que regardez des boosters, combien j'en ai. J'en ai à peu près, oh, je dirais plus de 15, 15 à 20. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour faire cette méga ouverture. J'ai trié les petites cartes que j'avais déjà récupérées dans une vidéo précédente. Dans l'ordre des numéros, hop, j'avais celle-là, Iron Man, la numéro 2. Il y en avait des sympas. Derrière, à la fin, on avait aussi Arishem, Vanda, Maximoff, et puis celle-là qui est en version holographique. Voilà, donc ces cartes-là, on va voir un petit peu comment les ranger. Tout d'abord, et après je vais enchaîner sur l'ouverture de ces boosters. Donc c'est parti les amis, vous voyez ce bouquin, il est magnifique. Alors, par contre le bouquin, autant les cartes, les boosters, vous pouvez en avoir pour un prix simplement, vous avez 30 euros d'achat, vous pouvez en récupérer un, voir si la caissière est généreuse à ce moment-là, vous pouvez, elle pourrait éventuellement vous en donner plusieurs. Le petit bouquin qui est ici, il coûte je crois 2 euros. Alors ça par contre, 2 euros, ça peut s'acheter aussi facilement, c'est pas très très cher. Donc hop, cet album, alors ça s'adresse plutôt aux enfants, aux amis collectionneurs. Voyez, il y a beaucoup d'images à l'effigie des Marvel et des super-héros. Et puis aussi une explication un peu de la façon de jouer, de la façon de collectionner ces cartes. Il y a 108 cartes avec 72 super-héros, les amis. Vous voyez, et voilà, c'est pas mal. Et donc effectivement, alors comment se rangent les cartes? Vous voyez, on a des numéros qui sont ici, avec le nom de la carte, et puis aussi le numéro qui est indiqué. Donc là, hop, il y a des petites encoches, je vais vous montrer. Et donc, en fait, vous mettez la carte dans la petite encoche qui est ici, tout simplement, et puis, hop, voilà. Et puis, en fait, les cartes se rangent comme ça. Bon, c'est pas des ProBinder comme on peut en avoir pour les cartes à jouer magiques, les cartes à jouer Pokémon, mais bon, c'est quand même sympa. Donc après, vous pouvez comme ça compléter votre collection de cette façon-là. Donc c'est en plus c'est des cartes qui sont vraiment vraiment magnifiques. Hein. Les cartes sont un peu en carton, on va dire. Donc elles rentrent assez facilement dans les emplacements. Et il y a des emplacements qui sont recto-verso. Alors là, on va le voir justement. Comme vous pouvez le voir, vous mettez ça dans un emplacement d'un côté et vous avez les ports qui sortent ici de l'autre côté. C'est, je pense que si vous avez les deux côtés en même temps, ça va peut-être se maintenir tout seul. Ça fait légèrement plus épais quand même. Hein. Hop, je vous montre ça. Voilà, et là, en fait, j'ai la 11 et en même temps, j'ai la 2 qui est de l'autre côté. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais continuer à ranger vite fait les cartes et après, on va découvrir les nouvelles cartes. Puis surtout, est-ce que je vais pouvoir compléter, parce que là, j'ai quand même pas mal de boosters. Donc c'est, est-ce que je vais pouvoir compléter cette collection? C'est quand même, le but, c'est d'en avoir un maximum sur les 108. Alors, il y en a sûrement certaines qui seront... je ne sais pas s'il y a une rareté spécifique. Je vois que j'ai une holographique dans la première ouverture que j'avais fait. Première vidéo d'ouverture. Elles sont pas faciles à insérer. Hop. Il faudrait peut-être que je glisse mes mains dessous, en fait. Ouais, je vais faire ça. Ça va être plus facile à gérer. Mais effectivement, faut pousser dessous pour pas déchirer et abîmer le petit classeur. Donc effectivement, dans la première ouverture, j'avais eu récupéré une carte en version holographique. Donc vous pouvez le voir, en plus il y a une histoire tout au long de ces pages de ce fascicule, ce petit bouquin, il y a quand même une histoire intéressante à découvrir. Donc c'est vraiment, c'est sympa, c'est une très bonne idée. Par contre, il y en a beaucoup qui font, qui sont à base d'autocollants, ceux-là non, c'est pas le cas, ce sont des petites cartes que vous pouvez insérer. Et en plus, vous pouvez jouer avec, hein, les amis, c'est vraiment un jeu avec des pouvoirs, des effets. Là, on a le numéro 24, Black Panther. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Voilà. Hop, je la serre dedans. Hop, et puis une fois, celle-là, c'est quoi? La 25. Captain America. Bah, vous voyez, dans cette page-là, j'en ai déjà 4. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, on a aussi
Alors, la 28. Donc, bon, après, sur les 108, il y a de quoi faire. Je pense qu'il faut faire souvent vos achats, ou alors, moi, je vous conseille, alors après, je risque d'avoir des doubles, mais je vous conseille éventuellement de les échanger, ces petites cartes, parce que là, on va voir si on va compléter un maximum de fois cette collection. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La 34, Black Panther encore. Alors, vous savez, dans un booster, vous en avez 4 différentes. Les 4 sont à l'intérieur. Et après, c'est si vous voulez, c'est vous et votre chance d'avoir quelque chose d'intéressant ou pas. Moi, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de forums qui les répertorient. Et puis, où il y a des forums où vous pouvez les échanger. Après, je pense que ça sera plus aux jeunes de trouver des copains qui en ont et les échanger dans la cour d'école. Ça peut être sympa. En même temps, je fais défiler comme là, je suis en train de les ranger. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu le bouquin et comme il est plutôt sympa ce bouquin, comme vous pouvez voir. Hop, là on arrive à la 47 Spider-Girl. Et là, c'est vrai. Celle-là, elle est un peu brillante, la Spider-Girl. Je ne sais pas si on l'a bien vue. Je vais vous la remontrer, mais elle a un côté holographique. Des sortes de paillettes qui sont collées à plusieurs endroits de la carte. Les cartes sont quand même plutôt plutôt sympathiques, hein. C'est vrai que c'est 62. Donc on va continuer. C'est Crystal. Tout cas, c'est une très bonne idée qu'a eu le magasin. C'est Leclerc. Je ne sais pas si c'est que Leclerc, mais moi, il me semble que c'est Leclerc. Alors pour information d'ailleurs. La fin de cette possibilité de récupérer des cartes se termine le 19 décembre 2021. Et donc après le 19 décembre 2021, les amis, il sera plus possible d'en récupérer. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, faites vite si vous souhaitez en avoir, parce que passé le 19 décembre, ça sera terminé. On continue, et là c'est la 70 intelligence. Voilà, et puis après, ben, je vous dis, hein, j'ai tout ça à vous faire découvrir. Donc on va voir, et j'espère en découvrir vraiment des sympas, des très très belles. Alors là, on arrive à la, c'est la 85, The Watcher. On est sur la fin du livret, là. Alors il risque d'être un peu plus épais, à force de compléter. C'est vrai que ça, c'est la 95. On est sur les dernières pages, là. Les 10 anneaux, courage, ça fait un peu penser les 10 anneaux, soit le Seigneur des Anneaux avec ses anneaux, avec son anneau, soit ça fait penser un petit peu au Chevalier du Zodiaque avec les maisons. Mince, celui-là est pas facile. Hein. Peut-être que je glisse mes doigts dessous en fait, parce que sinon j'arrive pas à les mettre dans les encoches très facilement. Moi, je vous verrai quand vous le découvrirez, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Hop, alors on continue. On arrive à la 99 Arishem. Hop. Et voilà. La 100 Vanda Maximoff. Et après, on va découvrir ensemble. Les nouvelles cartes que j'ai pu obtenir en espérant ne pas avoir beaucoup de doubles, mais bon, ça c'est le hasard, hein, les amis. C'est la 103. Bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme tous les jeux de cartes, hein. Et il faut avoir un peu de chance ou pas. Et la 107. Voilà, donc là j'ai pu ranger et vous avez pu découvrir en même temps ce classeur, parce qu'on arrive à la fin du classeur avec la dernière page. Hop, et la dernière page où vous avez toutes les cartes qui sont répertoriées ici. Les 108, vous avez la liste. Donc ça, c'est pas mal, ça vous fait une idée un petit peu de ce qui vous manque ou pas. Vous pouvez même les cocher quand vous les avez, vous voyez. Il y a une petite case blanche. C'est l'aperçu de toute la collection. Vous avez des énigmes, des... Bon, c'est vraiment un bouquin qui est très sympa. C'est très sympa, cette histoire de collection. Allez, c'est parti, les amis. Maintenant, on va découvrir ces boosters. Alors, il y a tout ça, il y a de quoi faire. Allez, on va prendre le premier. Hop, et je vais les enlever une par une. Alors, elles se déclipsent les cartes.
On va les prendre à l'envers. Je sais pas si il y en a. C'est le hasard si vraiment il y avait une question de rareté. C'est-à-dire que dans chaque petit pack, comme ça, il y en a une qui est beaucoup plus rare que d'autres, ou c'est vraiment aléatoire, c'est une tous les 10 packs qui est vraiment holographique ou complètement ou très très rare. Alors, j'ai vu sur les messages de la première vidéo qu'il y avait pas mal d'abonnés qui avaient auquel il manquait une à deux cartes et qui espéraient pouvoir les récupérer. Moi, je vous conseille vraiment les réseaux sociaux, des forums d'échange pour pouvoir les récupérer. Et c'est parti. Et on commence par là, numéro. Il y en a une qui est à l'envers. Numéro 72, intelligence, plus 3. Ok, ensuite la 25, Captain America. Bah, celle-là, je l'avais déjà, il me semble. La 95 aussi, ben les. Voilà. Et la 37, Star-Lord. Donc on va aller voir un petit peu, il me semble, alors la 25 c'est quasiment sûr malheureusement, là je risque d'avoir des doubles, j'ai déjà Captain America, après on va à la 37, je vais mettre de côté Captain America, la 37 Star-Lord, ah ben non je ne l'avais pas, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est top, une nouvelle, hop. Après, on continue. On a la 72 et la 95. Allez, 72. Alors, 72, je ne l'avais pas. Eh bien, c'est très bien. Donc, ça m'en fait au moins deux dans ce premier booster que je n'avais pas. Voilà. Et la 95, bah, c'est sûr. Je viens juste de la mettre. Voilà, c'est celle-là. Je l'avais déjà. Donc, premier booster, deux en double que j'avais déjà et deux que je n'avais pas. Allez, deuxième booster. Bon, j'espère qu'il y aura un peu plus de. Il m'en manque quand même pas mal, hein. J'en ai pas beaucoup hein, sur la totalité. Donc, j'espère que j'aurai un peu plus de chance sur les autres boosters. Parce que. Hop. On va essayer de ne pas les abîmer aussi. Peut-être pas tirer d'un seul coup. J'aurais peur d'arracher la moitié de la carte. Voilà, en une fois, je sais pas. C'est pas la technique. Voilà. Allez, deuxième carte, deuxième booster. On découvre les cartes. C'est parti. 65. Courage, plus 2. Ok. 95 encore. Ah non, bah alors là, ça fait même deux boosters de suite où je la récupère, celle-là. Bon, je vais la mettre de côté direct. 70. Intelligence. Et 89. The Hydra Stomper. Bon, on va aller voir, mais j'ai un petit doute, il me semble. Alors, déjà la 65. La 65, je ne l'ai pas. Bon, bah, tant mieux. Une de plus que je n'ai pas. Mince. Ah, c'est vraiment pas facile à mettre. Hein. Comme je les tiens en même temps. Alors, après, la 70, je l'ai déjà. Et la 89. 89... On est ici, je ne l'ai pas. Bon, bah super. Bah, deuxième booster, c'est exactement la même chose que le premier. Deux que j'avais, deux que je n'avais pas. Bon, ok, allez, je continue. Ça, je vais peut-être les mettre sur l'autre côté, ici. C'est les doubles que j'ai pu récupérer. J'en avais pas eu de double hein, jusqu'à présent. Et là, ben bah, voilà, c'est comme ça. Hein. Après, vu le nombre de boosters que j'ai pu récupérer là, c'est normal hein, que j'ai du double. De toute façon, c'est pareil que quand vous ouvrez des boosters Pokémon. Alors après, je ne sais pas la rareté, est-ce que c'est toutes les cartes ont là exactement la même rareté ou pas. Ça, c'est la bonne question, les amis. Ça, je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas. S'il y a des cartes qui sont beaucoup plus rares que d'autres. À mon avis, il va y avoir de toute façon un moment sur Internet une cotation avec des prix. Pour pouvoir échanger les dernières, il va falloir les acheter sûrement. Allez, la 24. Oh, celle-là, elle me dit quelque chose, c'est Black Panther. Bon, bah, je dois déjà l'avoir à vérifier. Ah, la 30, Mister Fantastic. Ah, elle est un peu comme l'autre. Elle est brillante sur l'image, comme ça. C'est vraiment très sympa. Ok, Agent Venom, la 51. Et Rocket Raccoon, la 39. Bon, alors, là, on va commencer par la 24. La 24... La 24. On va voir, il me semble que je l'ai. Ouais, je l'avais déjà. Bon, bah tant pis. Ah, on va la mettre de côté. Après la 30. La 30, Mister Fantastic, celle-là. Celle-là, par contre, je l'avais pas. Je vais essayer de pas en mettre de partout.
Hop, Mister Fantastique. Voilà, on va aller pousser la petite languette. Voilà, hop. Allez, on continue. Mister Fantastique, elle est vraiment sympa. Rocket Raccoon, là, 39. Elle est là, et je n'en avais pas. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je l'avais pas du tout. Donc c'est le troisième booster, ça fait quand même... les deux premiers, j'en avais 2 sur 2. Hein. 2 sur 4, pardon. Et puis la dernière, c'est Agent Venom, la 51. Je l'avais pas non plus. Donc dans ce petit booster, les amis, ça m'en fait 3 sur 4 que je n'avais pas. Bon, c'est cool. C'est cool. Voilà. Les pages se complètent, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va être sympa de voir à la fin. Hop, ça va être sympa de voir le bilan final de cette ouverture. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais découvrir dans ce booster suivant? J'aimerais bien avoir une holographique. Les holographiques, elles sont vraiment très très belles. Même si l'autre, la Mister Fantastique, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une sorte de surbrillance brillante avec des paillettes, une sorte de paillettes sur la carte. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Alors, je sais pas au final, hein, je pense pas avoir vraiment beaucoup de la collection, mais à mon avis, il faut pouvoir échanger les doubles pour pouvoir compléter au maximum. Allez, c'est parti, et là, Shuri, la numéro 20, je crois pas l'avoir celle-là, je dis rien du tout. Hulk, la 27, bon, ça c'est pas mal. 81, Karnak, non, c'est la 61, pardon, le chiffre est mal écrit, et la 82, Captain Carter. Je crois que j'en ai aucune. Allez, ça va être la surprise, mais il me semble pas du tout, les amis. Donc ça, c'est cool. La 20e, Shuri. Bon, déjà, c'est sûr, je ne l'avais pas, donc ça, c'est bien. Déjà, on voit là, une que je n'ai pas. Ah, la page, elle se complète vachement, hein, j'en ai 5. La 27, 6, maintenant, avec Hulk. Ça, c'est cool, sur cette page. J'ai vachement complété cette page. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, la 61. 61... Alors, elle est où? Elle est dans cette page-là, la 61. Je ne l'avais pas, Karnak. C'est ce qui me semblait. Hein. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Voilà, et ensuite, la 82. Alors, 82, 82, 81 et 80. J'ai rien dans cette page, par contre. Et là, la 82, c'est Captain Carter. La page d'avant, je n'en ai pas. Bon, ça va peut-être arriver. Voilà. Et voilà. Donc, je continue un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Allez, c'est parti. Prochain booster, les amis. Hop. Ah ouais, c'est les holographiques, hein, les dernières cartes qui sont, à mon avis, beaucoup plus rares et recherchées. Pour l'instant, j'en ai eu quelques-unes. À la première ouverture, j'en ai eu 3 avec très peu de boosters. Donc là, pour l'instant, rien. Rien, pour l'instant, on va voir. Hein. À mon avis, hop, Captain Marvel, donc c'est Marvel, révèle ton pouvoir, voilà, allez, suivante, c'est parti, les amis, alors, 44 Peter, kill, je l'ai pas celle-là, me dis rien du tout, la 8 Falcon, ah bah super, je l'ai pas non plus, la 106, hein, je sais plus, intelligence, et 99, Arishem, bon bah celle-là, je l'ai déjà, c'est sûr, à 100%, bon bah on va aller voir, la 8 déjà, la 8, je ne l'ai pas, Falcon, donc ça c'est top, une de plus, allez, si je pouvais, ne serait-ce que 2 par booster, je sais pas si d'entre vous, certains, en ont ouvert énormément, oh mince, c'est pas facile, la page elle se barre, je sais pas si certains d'entre vous en ont ouvert énormément ou pas, et si la probabilité, en combien de boosters ils ont pu compléter la collection, alors ça, si certains veulent mettre des retours là-dessus, à moins qu'ils aient acheté à l'unité les cartes, parce que je sais que la collection entière se vend autour d'une vingtaine, 20, 25 euros, il me semble. Alors, hop, Peter Kill, donc une de plus, hein. Voilà, et on va aller voir la 106, j'ai un gros doute là-dessus, il me semble, non, je l'ai pas, c'est bien, c'est top, ça. J'en avais d'autres. Bon, par contre, elle n'est pas holographique, c'est ce qui est dommage. Mais j'en avais d'autres, mais je ne l'avais pas. Sur la dernière. La 107 est complètement holographique, donc ça, c'est pas mal. Bon, bah super.
à nouveau 3 dans ce booster que je n'avais pas. Continue, il m'en reste encore quelques-uns, les amis. Il y a de quoi faire. J'ai de quoi en découvrir et découvrir des super, super cartes. Après, j'imagine que plus je vais avancer, plus je vais avoir de doubles. Hein. Déjà que ça a commencé très fort, les deux premiers boosters, j'avais 2 doubles chaque. Ah, j'ai retourné dans le mauvais sens. Mince. Bon, on a vu à peu près les cartes. Ça fait pas trop durer le suspense. Hop. Je ferai mieux pour les prochaines ouvertures de booster là. Hop. Et voilà. Et c'est parti. Alors les cartes, qu'est-ce que j'ai dans celui-là? J'ai Médusa, la 60. Il me semble pas l'avoir. 68 puissance plus 2. Je sais plus. Venom, la 52. Et la 38, Gamora. Ok, je sais pas, il me semble pas beaucoup là-dedans. Hein. On va aller voir ça ensemble. 38, c'est parti pour la première, la 38. Je ne l'ai pas. Ça, c'était, il me semblait bien, je ne l'avais pas. Gamora, donc ça, c'est pas mal. Une de plus. En plus, j'ai les 3 qui suivent là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça commence à prendre forme. La 52, Venom. Je ne l'ai pas non plus. J'avais Agent Venom, la 51, effectivement. Mais je n'ai pas la 52. Bon, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ensuite, la 60. Continue. La 60. Ici, Médusa, je ne l'ai pas non plus. Bien. Ah, c'est un booster très intéressant, là, les amis. 3 sur 4 que je n'avais pas. Hop. Allez. Voilà. Et la 68. Thor, puissance 2. Eh ben, je ne l'avais pas non plus. 4 sur 4. Alors là, premier booster où j'en avais pas, 4 sur 4, bien. Voilà, donc c'est bien, 4 nouvelles cartes de rajouter dans ce petit bouquin. C'est cool, les pages se remplissent là les amis, c'est cool. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais découvrir là-dedans? Voilà, petit rappel hein, les amis, ça se termine le 19 décembre, cette collection Marvel. Donc si vous souhaitez des cartes, eh ben, il faut plus attendre. Après, amis collectionneurs, c'est trouvable aussi sur internet. Mais il faudrait payer 20-25 euros pour avoir la totalité des cartes. Si vous les... Oh zut, j'ai un peu déchiré celle-là. Voilà, c'est le risque. Enfin, si vous voulez les acheter à l'unité, il me semble que ça se vend autour de 50 centimes, 1 euro. Hein. C'est pas donné. Hein. Il y en a qui profitent un peu de la situation. Mais c'est vrai que quand on a commencé cette collection, c'est difficile de se dire d'arrêter et de ne pas toutes les avoir. Ce serait dommage. Tout le bouquin est quand même magnifique. Alors, Miss Hulk, la 17. Kay Crow, la 97. C'est pas mal, ça. Ant-Man, la 10. Oh, pas mal. Et la 13, Captain Marvel. Oh, c'est pas mal du tout. 10, 13, 17 déjà dans les premières. Ouh là là, je suis intéressé là par ça. La 10, je ne l'ai pas. Ant-Man, ça c'est pas mal. Ça complète pas mal. La 13 Captain Marvel, je ne l'ai pas non plus. Bien ça, ça fait 2 boosters de suite où ça se passe pas mal. La 17 Miss Hulk, je ne l'ai pas non plus. Ah, j'en ai carrément mis 3 dans la même page, les amis. Donc ça c'est cool. Ah, franchement, c'est magnifique. Et la 97, là j'ai un gros doute, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Je ne l'ai pas. Eh ben, 2 de suite, les amis. 2 de suite où j'en ai. Où j'en ai 4, enfin j'ai 4 nouvelles cartes. Bon bah ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal, ça permet de compléter là. Franchement c'est top. Allez, nouveau booster. Alors qu'est-ce que... Par contre, comme vous pouvez le voir, sur les foils, les dernières, je pense qu'il y en a vraiment certaines qui sont quand même beaucoup plus cotées. Beaucoup plus recherchées. Après c'est chacun, c'est à voir ce que vous avez vous. Si vous avez ouvert beaucoup de boosters et qu'il vous manque certaines cartes et puis qu'entre vous vous rendez compte que les mêmes autres personnes manquent ces mêmes cartes, c'est qu'à mon avis il y en a, ils sont beaucoup plus rares que d'autres. Une question de hasard et de chance. Et ça se trouve, voilà, moi j'ai eu, par exemple j'ai Arishema en double, il y en a peut-être d'autres qui vont pas l'avoir du tout, peut-être plein de personnes qui vont les rechercher, c'est vraiment le hasard. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Hop, la première, la 75, courage plus 3. Ok, la 73, ouh, ça, elles sont magnifiques aussi. Je sais pas si on voit bien, il y a une sorte de sur... Alors, c'est en surbrillance ici. Même le visage avec une sorte de toile d'araignée. Sympa, vraiment sympa. Sympa la 73.
On continue. La 67, Captain America puissance 1. Et la 38, Gamora. Ah ben, celle-là, je l'ai, la 38. Donc, je vais l'enlever tout de suite. C'est dommage. Là, par contre, les trois autres, j'ai un gros doute. Hein. Mince, c'est combien? 67. 63. On va aller voir ça. 4, 5, 6, 7. Je l'ai pas, Captain America. Super. Une de plus. Celle-là aussi, deux pages. Je la complète plutôt pas mal, hein, cette page. Voilà. Après, là... Zut, j'en ai mis deux dedans. Et n'importe quoi. Elles sont restées en... Je me disais bien que je forçais un petit peu. C'est n'importe quoi. Alors, hop, je remets juste une carte. Peut-être... Faut que je fasse attention à pas trop forcer, parce qu'après... Alors, la 72, 73, c'est la page suivante. La page suivante, et elle est là. Oh, j'en ai pas du tout sur cette page-là. Ben, j'en obtiens deux. Deux en une seule fois, en un seul booster. Ah ben, c'est bien au moins que j'en ai dans toutes les pages, parce que celle-là, c'est marrant, j'en ai pas du tout. Ah, zut. Comme c'est la partie haute, là. Hop. Voilà. Et la suivante, la 75. J'ai enlevé le petit bout qui dépasse. Rocket Raccoon. Voilà, donc dans cette page, j'innove, ça y est, j'ai mes deux premières. Bon, on continue, il me reste quelques boosters à ouvrir. J'espère en avoir d'autres. Allez, c'est parti. Après, ça, c'était, cette année, ils ont fait ça, Marvel. C'est un peu la mode de toutes les cartes à jouer, parce que on a un peu de partout des cartes, tous les thèmes, Panini en fait beaucoup, dans le foot, Harry Potter, dans d'autres cartes, puis après vous avez les cartes classiques, Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh, il y a Force of Will, il y a d'autres cartes aussi, c'est vrai que c'est un peu la mode, les collections de cartes. Allez, Triton, la 63, ok, 77 puce 2, ok, bah, la page justement que je viens juste de compléter, c'est la même page. 44 Peter Kill, ah je l'ai déjà, et Gamora encore Gamora, je l'ai plein de fois, ah, c'est dommage, et là j'ai que deux nouvelles cartes, la 63 et la 77, c'est dommage ça, c'est dommage du tout, la 63 elle est là, c'est bien, elle se suit, j'en ai 4 qui se suivent, il faudrait que je vois à la fin, j'espère que j'en aurai un maximum qui vont se suivre, c'est quand même plutôt sympa, voilà, et la 77, qui est là, Iron Man, puissance 2, plus 2. Alors, c'est les fameux effets. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont penchés sur la règle pour connaître les effets des cartes, voilà, mais... Allez, nouveau booster. Il m'en reste quelques-uns, il me reste un peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Et c'est vrai que dans cette deuxième ouverture, j'ai pas eu d'holographique ou quelque chose qui sorte un peu du lot. On va voir, hein. J'avais une à la première ouverture. Je sais pas si c'est une question de chance. Et puis à la fin de la vidéo, je ferai le petit tour d'horizon quand même de ce que ça représente dans le classeur. Parce que c'est quand même plutôt sympa de compléter des pages. Ça peut être sympa de voir un petit peu le rendu visuel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai dans ce booster ? Alors, là, oh, celle-là, Black Panther, elle est complètement holographique. Voilà, il n'y a pas que dans les dernières. En voilà une, la 19. Je sais pas si on voit bien à la vidéo, mais elle est top, cette carte. Magnifique. 91, Red Guardian. Ok. Sympa. 96, DF Dealer. Oh, j'ai pas. Et là, 81, Intelligence. Eh ben, c'est sympa. Alors là, celui-là, le booster, il est plutôt sympa. Il me semble que j'en ai aucune des 4. Et en plus, une version Black Panther qui est holographique. Oula, je la complète bien cette page. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Voilà, celle-là, hop, bien complétée. Elle est magnifique, cette carte holographique. Allez, on va aller sur la 81 maintenant. 81, Spider-Man. Je l'avais pas. Super, une de plus. Ah, c'était cette fameuse page. Il y a 3 boosters, j'en avais aucune. Là, j'ai complété la 91, 90, 91. Red Guardian. J'en ai pas beaucoup là. Finalement, hop, je la mets ici. Et on a ensuite la 96 Death Dealer. Elle est là. Ah ben c'est bien, cette page aussi, elle se complète finalement. Deux de plus dans la même page. On fait une très belle page. Voilà.
Ah ben j'espère j'en avoir d'autres des holographiques. Là j'ai une belle carte Black Panther, elle était magnifique, la 19. Vraiment vraiment très très belle. Ça c'est cool franchement. C'est cool. Après justement c'est quand même beaucoup plus dur. J'ai vu qu'il y en a dans un peu dans les premières. La 19 c'est l'un des premiers numéros, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des holographiques un peu. Je suis pas allé voir la liste totale. Hein. Il peut y avoir des holographiques à plusieurs endroits. À l'intérieur des 108 cartes, c'est pas forcément les dernières. Effectivement, il y a sûrement des personnages phares du jeu dont les cartes ont plus de valeur, plus de rareté, on va dire. Allez, Black Bolt, la 59. Je sais pas, je crois pas. 17, Miss Hulk, je crois. 72, Intelligence, plus 3. Et la 3, Hulk. Bon, on va aller voir. Allez, on va commencer par la 3. Hulk, je l'ai pas. C'est cool, ça. Ah, Hulk, en plus, c'est un personnage spécifique, la 17. Bon. Celle-là, je l'ai, Miss Hulk. Hop, après la 59. Ah, je le sens quand j'ouvre les pages. J'en ai 4 à la suite, là. Ça, c'est top. 5 à la suite, pardon. Quand j'ouvre les pages, je sens que, justement, ça accroche plus. Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup plus qui sont vraiment insérés dans les pages. Donc, je le sens. Allez, la 72. Je sais que j'en ai pas mal dans cette page-là. Je l'ai déjà. Bon, bah, booster, où j'en avais déjà 2. Alors, j'en ai 2 nouvelles sur 4. Bon. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. C'est le hasard. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais découvrir dans celui-là? Hop. Hop. Allez, c'est parti. La 98. Puissance plus 4, bon, je sais pas, à vérifier. 52 Venom, oui, je pense. 55 Squirrel Girl, la fille écureuil. Et la 41 Drax, oh, une holographique, encore. Ah, super. Vous voyez, Drax, ah, voilà, la brillance. Super carte. Ah, bah voilà, bah, une de plus. Alors, 41, je suis sûr que je l'ai pas, parce que des holographiques, j'en ai pas tant que ça. Drax, elle est là. Voilà. Elle est magnifique, elle sera en plein milieu de la page, donc ça c'est top. Après la 52, bon bah Venom, je l'ai déjà, hein. Je m'y attendais. La 55, celle-là je pense pas, et non, je ne l'ai pas, donc ça c'est cool. Là je complète bien cette page. 6 sur les 9. 6 sur les 9, on verra si après à la fin, il y a des pages qui sont beaucoup plus remplies que d'autres. Puissance 4, la 98, on va aller voir. Elle est là, je l'ai pas. Bien, 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 bien. J'avais un doute. J'avais un doute sur celle-là. Voilà. Celle-là aussi, c'est une page qui est bien remplie. Et il me reste encore combien de boosters là? 1, 2, 3, 4, les amis. Franchement, c'est cool. C'est vraiment sympa. Et puis, les Marvel, ça parle quand même à beaucoup de monde. C'est vraiment quelque chose qui est ancré depuis. Je ne sais pas combien de dizaines d'années, entre les dessins animés, les livres, c'est vraiment ancré, vraiment très très dans la société, enfin c'est vachement développé. Et retrouver ces personnages-là, comme ça, sous forme de cartes, c'est sympa, très sympa. Allez, on continue, Loki, à la 16, ne me dis rien du tout, je ne dois pas l'avoir. La 100, Wanda Maximoff, je crois que je l'ai. 86, Black Widow, Plosk, Apocalypse, ok. Et la dernière, 97, Crow. Alors, il me semble que, bah ouais, là, pas de bol dans celui-là. Bon, Loki, par contre, ça me tire vraiment, vraiment, vraiment rien. Donc, je pense que je dois pas l'avoir. Effectivement, je ne l'ai pas. Bon, ça, c'est bien. Au moins, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Hop, après, là, 86, on va aller beaucoup plus loin. Elle est là, je l'ai pas. Ah ben, au moins deux dans ce booster que je n'avais pas, donc ça c'est cool. Voilà, bon, les deux autres, je pense que je les ai. 97, je l'ai, et la 100, Wanda Maximoff aussi. Bon, voilà, 2 sur 4 quand même que je n'avais pas. Alors, on fera le bilan aussi des doubles à la fin, hein. Je vais vous les montrer, comme ça, ça permettra de se faire une idée. Parce que là j'ai ouvert quand même entre 15 et 20 boosters, et j'ai eu 2 cartes holographiques cette fois. Voilà. Je sais pas combien il y en a de différentes.
Après, ce que je sais pas, c'est est-ce que pour une même version, il y a plusieurs cartes d'une même version. C'est-à-dire que pour une même version, vous avez une carte normale, une carte holographique. C'est-à-dire qu'il y aurait une carte holographique de chaque version des 108 cartes et une version normale aussi. Et les cartes holographiques étant beaucoup plus difficiles à découvrir, je ne sais pas. Là, par contre, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Hop, la 42, Thanos. Ah, il me semble que quelqu'un en a parlé dans les messages en me disant qu'il recherchait cette carte. Bon, bah, pas de bol, j'ai un exemplaire. 104, Baron, Zemo. 31, la chose. Mais je les ai pas, celle-là. Et 25, si, Captain America. Celle-là, je l'ai déjà. On va aller voir rapidement. 25, Captain America, c'est fait. 31, la chose. Je ne l'avais pas. Donc ça, c'est pas mal du tout. Une de plus. Hop. J'espère que je n'ai pas enlevé dans les emplacements. 42, Thanos. Elle est là. La 42, Thanos. Hop. Voilà. Et la 104. On va aller tout à la fin. La 104, Baron Zemo. Je ne l'avais pas non plus. Super. Donc dans ce booster, il y a quand même eu 3 sur 4 que je n'avais pas. Bon, écoutez, c'est toujours ça. Hein. Ça se remplit. Je pense avoir rempli quasiment la moitié du bouquin. Peut-être même avec un peu de chance, je sais pas si j'en ai même pas un peu plus. J'ai quand même eu pas mal de doubles hein, cette fois. Autant j'en avais pas la première fois, mais autant là. Allez, avant-dernier booster. Et puis à la fin, je vous fais découvrir le livret rempli page par page. Je pense que ça le mérite d'être vu au moins, parce que c'est sympa. Hop. Thanos, c'est vrai que c'est quand même un méchant phare du... des Marvel. Allez, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Hop! La guêpe, la 11. Je sais plus si j'ai, je crois. 40 Groot. Ah, je crois pas, celle-là. Gueule d'or, la 58 non plus. Et Crystal, la 62. Ah, celle-là peut-être. Allez, la guêpe, on va aller voir la 11. Il me semble hein, que je l'ai. Il me semble. La 11, je l'ai. Oui, je l'ai, malheureusement. La 40. Alors, la 40, c'est là. Je l'ai pas, Groot. Et c'était bien ça. Ouh, la 40, la page est bien, bien complétée. C'est plutôt sympa. Hop, voilà. Voilà, Groot. Et Gueule d'Or. La 58. Alors, 58, elle est là. Ok. Voilà. Et la 62, je l'ai déjà, Crystal. Bon, voilà. Allez, dernier booster, et ensuite, après, on découvre ensemble le rendu de cette ouverture. Méga ouverture, donc, de ce fameux... ces cartes à jouer Marvel, que vous pouvez récupérer, cartes à jouer et collectionner, que vous pouvez récupérer chez Leclerc. Je crois qu'un booster, c'est pour 30 euros d'achat, vous avez un booster, tout simplement. Voilà. Ouh, je sens qu'une carte en surbrillance derrière. Je le sens au toucher, en fait. Une sorte de paillette brillante. Donc ça se termine, hein, ce jeu se termine le 19 décembre, les amis. Donc si vous en souhaitez en avoir, attendez pas. Après, ça va être payant tout sur Internet. Si vous souhaitez compléter ou récupérer tout ça. Allez, c'est parti, le dernier booster avec Hulk, la 27. Ben, je crois que je l'ai déjà. Ah, ou celle-là, elle est magnifique. Bah voilà, j'ai senti, on voit les brillances, vous voyez, il y a des granules, sorte de paillettes brillantes qui sont surcollées là-dessus. Ah, celle-là, je l'ai pas. Magnifique, super carte. 61, Karnak. Et 108, puissance 3, la dernière. Ouh, la dernière des dernières. Alors, la 27, bon, je sais pas, je fais juste un tour d'horizon. La 27, je l'ai. Après, la 61... Allez, on va bientôt découvrir ensemble le rendu. 61, je l'ai aussi, malheureusement. 69, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bah, celle-là, de toute façon, je m'en serais souvenu, parce qu'avec la brillance qu'elle a, elle sort du lot. Hein. Celle-là, elle a encore plus de brillance que certaines autres cartes. Hein. Et là, 108, c'est la dernière. Je ne l'avais pas non plus. Voilà, voilà, voilà. Donc il y en a quand même, il me semble que j'ai eu au moins deux cartes par booster que je n'avais pas. Alors c'est vrai que vous voyez, j'ai des cartes holographiques, mais je ne sais pas s'il y a deux versions, c'est comme ça. C'est comme ça, alors ça va être la grosse interrogation, est-ce que sur les 108 cartes, chaque carte a une version normale et une version holographique?
Alors s'il y en a qui ont des réponses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, ça pourrait toujours aiguiller certains collectionneurs, certaines personnes pour rechercher les cartes. Alors les amis, en double, alors j'ai tout ça en double, hein. Karnak, Hulk, Crystal, Laguêpe, Captain America, Crow, Vanda Maximoff, Venom, Intelligence plus 3, donc c'est A, ah, c'est Captain America il me semble, Miss Hulk, Peter Quill, Gamora, Harry Shem, ça c'est Black Panther, Encourage plus 1, Intelligence plus 1, la 70, la 95, je l'ai eu deux fois, et Captain America. Donc les amis, ça m'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 doubles. 19 doubles, alors je me dis que j'en ai peut-être au moins la moitié. Parce que si j'ai ouvert 15 boosters alors que j'en avais déjà ouvert 5 ou 6, j'en ai peut-être un peu plus de la moitié sur les 108. Allez, on va découvrir ça ensemble les amis, c'est parti. Avec le petit bouquin, on va faire les pages une par une. Voilà, et hop, intelligence, puissance, courage. Vous avez toutes les explications dans ce bouquin. Le bouquin est sympa, c'est fait comme une BD, tout simplement. Et première page, effectivement, j'ai Iron Man, Hulk, Black Widow, Falcon. Bon, j'en ai que 4 sur les 9. C'est pas la moitié, mais c'est presque ça. Allez, deuxième page, hop, et là, c'est plus fourni. Quand même plus sympa. Ant-Man, Laguêpe, Captain Marvel, Vision. Oh, sympa, Loki, Miss Hulk. Là, j'en ai 6 sur les 9. Bon, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, on continue. Ouh, celle-là, Black Panther, Shuri, Okoye, Intelligence plus 1, Black Panther, Courage plus 1, Captain America, Hulk. Ah, j'en ai carrément 7 sur 9. Elles sont pas mal, elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont vraiment belles. On continue, là, ouh, qu'est-ce que j'ai là? Alors, la Torche Humaine, Mister Fantastic, qui est une très belle carte qui brille, La Chose, Black Panther, Giant Man, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 9. Je pense que j'ai plus que la moitié, là. On continue, ouh, super page avec Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Groot, Drax en version holographique, Thanos, c'est vraiment, je suis content de l'avoir, Peter Quill, là j'en ai carrément 7 sur 9 sur cette page, j'ai des pages bien remplies quand même, hein. Là, ouh, il y en a moins, avec Spider-Girl qui est un peu brillante, Agent Venom et Venom, là j'en ai que 3 sur 9, bon, ça va faire baisser un peu la moyenne, et là, ouh, c'est reparti, Squirrel Girl, Guldor, Black Bolt, Medusa, Karnak, Crystal, Triton, 7 sur 9 là sur cette page, ok, sympa. Ici, ou alors Black Panther, Courage plus 2, Captain America plus 1, Puissance plus 1, je sais plus les personnages précis, je vais pas vous dire n'importe quoi, celle-là elle est holographique, enfin elle est brillante, pas holographique, elle est brillante sur quasiment la totalité de la carte. Là c'est pareil, j'en ai 3, 4, 5, 6 sur 9, 6 sur 9, c'est pas mal du tout. Continue avec aussi, ou celle-là elle est brillante, vous voyez. Sur une partie de la carte, elle est magnifique. Donc là, ce sont les effets. Hein. Ce sont des cartes d'effets avec Iron Man. Voilà, là, j'en ai 4 sur 9. 4 sur 9. Et là, avec Captain Carter, The Watcher, Black Widow Post-Apocalypse, The Hydra Stomper, j'en ai 4 sur 9 à nouveau. Je n'étais pas compté là sur le total, mais je pense en avoir quand même la moitié. Ouh, Red Guardian. Celle-là, c'est avec les 10 effets. Death Dealer, Crow, Puissance plus 4, Harry Shem. C'est pareil, j'en ai 6 sur les 9. Et la dernière page, après on va les compter vite fait, avec Vanda Maximoff, le Courage Baron Zemo, Intelligence plus 3, Courage plus 3, Puissance plus 4, plus 3. Mais celle-là, elle est holographique, hein, la 107. C'est-à-dire qu'elle brille sur la totalité de la carte, j'en ai 6 sur 9. Donc les amis, je vais refaire défiler rapidement. Effectivement, moi ce que j'aurais aimé, vous voyez, la 107, on ne voit pas si elle est holographique ici ou pas. C'est la question que je me pose, c'est est-ce que chaque carte n'a pas une version normale et une version holographique, ce qui voudrait rendre encore plus de valeur aux cartes, parce que les versions holographiques, elles seraient beaucoup plus difficiles à obtenir, parce que là, les versions normales, ok, vous pouvez les avoir, mais les versions holographiques, vous avez, j'en ai eu que 3 en une vingtaine de boosters, donc effectivement, là j'en ai 4. 10, on va les compter rapidement, 17, 2, 29, 32, allez, je vais arriver à la moitié, 39, 45, 49, 53, ça arrive doucement, 53, et 6, 59, 59, et 6, 65 cartes sur les 108, j'ai pu compléter de 65 cartes. Cette belle collection sur les 108, donc c'est un bon pourcentage. Voilà, c'était quand même plutôt intéressant. Puis j'ai 19 doubles que je peux éventuellement échanger pour récupérer aussi des cartes qui me manquent.
Écoutez, voilà les amis, c'était une vidéo des cartes de collection, cartes à jouer Marvel, qui sont récupérables dans les magasins Leclerc. Pour 30€ d'achat, vous avez un booster. Ce petit livret, je crois qu'il coûte 2€ simplement. Et puis cette, voilà, cette belle collection, ça s'arrête le 19 décembre 2021. Voilà, voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.